Les grandes halles du Vieux-Port ont ouvert leurs portes depuis près de 15 jours. Ont-elles convaincu ? Le directeur fait le point. Le public marseillais au rendez-vous, les touristes également. On voit énormément de touristes français, de clientèle internationale venir visiter et déguster sur nos halles. Voilà, énormément de monde au rendez-vous, surtout le soir, c'est la cohue. Notre terrasse est pleine, il nous manque même de la place. Il manquait vraiment ça ici, je trouve. C'est une offre qualitative qui permet à chacun de trouver un peu son bonheur. Avec, vous avez un peu l'espagnol, vous avez les coquillages, enfin tout le monde peut trouver, remplir son assiette à sa convenance, avec des boissons qui sont proposées aussi dans les halles, avec des cocktails, avec du vin. Donc, j'en profite pour dire que j'ai le meilleur vin de Marseille, fait à Marseille, qui est planté ici, qui s'appelle Engrain des Gains, dans un petit clin d'œil. Et vraiment, non, c'est une offre super sympa, avec pour toutes les bouches, pour tout le monde en fait, voilà. Que ce soit du plus grand au plus petit, à tous les prix.